Bonjour. Excusez-moi, hein. Je suis un peu en retard, mais j'ai été au cabinet. Ce sont des choses qui arrivent. Très bien. Alors, on va commencer par faire l'appel rapidement. Oui. Monsieur Grandjean. Oui, présent. Monsieur Grandjean. Oui, c'est moi. Madame Grandjean. Oui. Mademoiselle Grandjean. Oui. Et j'oubliais... Monsieur Grandjean. Oui, c'est moi. Vous êtes de la même famille ? Non. Non. Très bien. Alors, je lis la profession de chacun et vous me corrigez, bien évidemment, s'il y a une erreur. Alors, monsieur Grandjean, vous êtes plombier en médecine. Oui, c'est ça, exactement. Madame Grandjean, vous êtes acupunctrice des ongles. Exactement. Mademoiselle Grandjean, vous êtes étudiante en scolarité. Oui. Monsieur Grandjean, vous êtes charcutier en littérature. C'est certain, oui. Et monsieur Grandjean, vous êtes boulanger. Oui, c'est ça, oui. Ben, dis donc. Très bien. Alors, est-ce que tout le monde est là ? Oui. Vous avez fait l'appel. Merci. Donc, je vous remercie tous d'avoir participé et d'accepter de participer à cette réunion consommateur. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau produit qui s'appelle le Miaou Miam. Tout le monde est prêt ? Oui. On va y aller. Alors, la première question, à quoi vous fait penser le nom Miaou Miam ? Moi, ça me fait penser à de la nourriture pour chat. Oui. Moi, je dirais plutôt de la nourriture pour chien qui fait miaou. Ouais. De la dentelle de Limoges. Très bien. Je vois pas. C'est pas grave. Tu ranges en. Du plâtre. Très bien. Donc, alors... je peux changer. Oui, allez-y, oui. Alors, du ciment. Oui, moi, plutôt des culottes de Strasbourg. Non, s'il vous plaît, une réponse par personne, hein. Je vous remercie. Deuxième question. Je vous montre une boîte de Miaou Miam et vous me dites à quoi elle vous fait penser. Vous prenez bien votre temps, surtout, hein. Bah, à une boîte de nourriture pour chat. Ouais. Moi, je dirais plutôt une boîte de nourriture pour chien qui fait miaou. Ouais. À ma mère. Ma mère. Oui, je vois pas. C'est pas grave. Du plâtre. Vous voulez pas dire du ciment, plutôt ? Ah non, surtout pas. Non. Très bien. C'est noté. Bien, alors, le prix de ce produit sera d'à peu près 100 francs. Ouais. Pensez-vous que ce soit cher ? Monsieur ? Monsieur ? Il est quoi ? Il est où ? Monsieur ? Je suis là. Il est où ? Monsieur ? Monsieur ? Monsieur ? Qu'est-ce qu'il... Monsieur ? Mais enfin, je suis monsieur. Là. Ah, je crois qu'il est juste derrière la paroi. Mais monsieur, mais monsieur, je suis là, enfin. Ah, il est là. Bon, alors, je repose ma question. Le prix de ce produit sera d'à peu près 100 francs. Pensez-vous que ce soit cher, cher, pas cher, donné ou merde ? Ben, 100 francs pour du plâtre, c'est cher. Pas mieux. Voyelle. Couille. Avec deux L. Tidim pantéum. Très bien. Alors... Maintenant, nous allons goûter ce produit. Donc, vous le goûtez simplement et vous me dites à quoi il vous fait penser. Oh, là, oh, on se prend une cuillère, on se calme. Hein. Attention. Putain, c'est de la bouffe pour chat. Mmh. Pour chat. Manque du pain. Il faut du pain avec ça, du pain. Du pain avec ça. Ouais. Mademoiselle ? Mais, non, mais en fait, je peux pas goûter. Je viens de me ressouvenir que j'ai une maladie mortelle de la langue. D'ailleurs, on me l'a ôté, la langue, regardez. C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est une dent, mais molle. Bien. Ça fait penser à... Ah, du plâtre, on sait, oui, merci. Alors, si mon avis n'a plus d'importance, faut savoir partir à point. Non, monsieur, 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 c'est une fausse porte, c'est un décor. Passez par la fenêtre, plutôt. Ah, je vous remercie. Alors, madame Grandjean, à quoi... Merci. Alors, madame Grandjean, à quoi vous fait penser...
Madame Grandjean. Écoutez, c'est pas mal du tout, car ça a goût de merde. Et quand on sait que le chat se lèche le cul, je reconnais bien ce goût de merde. Merci. Ça m'a même pas fait mal. Très bien, est-ce que vous pourriez me donner une note d'intention sur ce produit? C'est bon. Non, non, c'est dégueulasse. C'est délicieux. Merde. Très bien, maintenant chacun pourrait donner un mot de conclusion. Sketch terminé. Non, sketch terminé sans chute. Excellent, je prends.